Salut à tous, ici c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite avec Lens, mais avant ça, petite parenthèse, je voudrais m'excuser de l'absence que j'ai eue. J'avais perdu un petit peu la motivation entre presque 15 jours. Après j'ai dit, ouais, je peux aller avec mon ami Brigand. De dire, ouais, bah allez, je vais reprendre et tout. Hein. Et puis boum, je tombe malade, la thyroïde, les tremblements, j'ai mal à mes jambes. Là, avec mon médecin, on trouvait un traitement. Là, du coup, les tremblements, ça va mieux. Mais franchement, c'est pas marrant. Je vous assure, c'est pas marrant. C'est pour ça que je voudrais m'excuser et tout. La santé était pas au rendez-vous. Et là, ça va beaucoup mieux. Bon, on va fermer cette parenthèse. Et là, on va faire un match contre Angers. J'ai fait quelques matchs hors vidéo. J'ai fait Saint-Étienne, que j'ai gagné 2-0. Contre Nantes, un match nul. Ok? Oui. On va regarder le centre de formation. On va faire un petit récap de l'effectif, des jeunes. On va faire qu'un match. On va faire ces Coupes de la Ligue. On va faire le match. Et après, je pense que je vais faire deux vidéos cette semaine pour Lens. Et je vais continuer la vidéo de la CFA avec l'Allemagne. D'accord? Parce que je vais pas en faire trop, parce que si après je dis je vais faire des vidéos tous les jours, je vous assure, c'est beaucoup de travail, faut nettoyer, faut faire des coupures, c'est beaucoup de travail. Du coup, je vais faire deux fois Lens, et là c'est fort, et je pense que ça sera bien. Après, on verra bien si j'arrive à garder le rythme, on verra bien, mais on va commencer petit par petit, l'oiseau fait sonner, comme on dirait. Bon, bah là, on a le petit un défenseur côté droit, 15 ans, bon, 93, mais on va voir s'il peut, qu'il peut augmenter. Là, Becker, bon, ça de belles prédictions d'avenir, ça, tous les coups, ça va être sûr. Mais lui, par exemple, on a peut-être une chance que ça peut être un peu devenir spécial, je l'espère. Il y a 58, bientôt 60. Voilà. Bon, là, on va aller voir l'accueil équipe ensemble. Là, on a un bon gardien. Celui-là, franchement, je regrette pas. Là, lui, il peut devenir spécial. Alors, ça va. Là, du coup, on a deux bons gardiens. On n'a pas à se plaindre. On a Edouard, lui, je viens de le prêter. Il est doté d'un an potentiel. Léco, bon, bah voilà, Léco, je pense qu'il va partir. Idara avec Tavares. Franchement, là, franchement, c'est bien. Tavares, je préfère le dire que moi, c'est le de début FIFA. D'accord? Tavares, l'autre, c'était un club comme Lens ou un autre, je sais pas avec la somme, je sais pas si t'arrives à l'avoir. Sénéchez est parti en prêt, on a Diallo, que lui, Diallo, bah voilà, c'est fini pour lui. Ranadovic, Grady, un petit jeune, de belles prestations d'avenir, on va pas le prêter pour l'instant, on va le garder, parce que question de la défense, il faudra que je regarde. On a Simakan, Fortes, Traoré avec Michelin, franchement, ils ont pris un plus un tous les deux, franchement, je suis content. Lui, je l'ai mis sur la liste de transfert parce qu'il n'y a pas de statut. Lui, on va le garder. De belles prestations d'avenir. En plus, il y a Gilet qui s'en va. Alors avec Doucouré, je pense que ça va aller. Maintenant, on a Robaye. Kutus, c'est pareil que Tavares. Hein. C'est le même. Hein. Parce que là, j'ai eu la chance de l'avoir et franchement, je suis content. On a Maxence aussi. Ça va, t'es en Ligue 1. Ça va, j'y viens tout de suite, tu vas comprendre pourquoi je parle comme ça. Lui, j'ai mis, il n'y a pas de statut non plus. Idaren, c'est pareil. Je me rappelle plus du nom. Oscar, voilà, on y vient. Oscar, c'est pas réaliste. Malgré que je l'ai eu gratuit, tout ça et tout, parce mais j'aurais pas dû le prendre. Parce que quand tu regardes son salaire, bon, 34 000, je sais pas si. Tes premières saisons, je sais pas si tu peux te permettre avec un club comme Lens de faire des salaires de 34 000 par mois. Sincèrement, je sais pas. Lui, il est en prêt, Boly qui a 70. Je suis content avec Keita qui est 72. C'est bien. Openda, Mukanjo, lui, il nous appartient pas. Sotoka et Banza qui l'est en prêt. Mais je pense que la saison prochaine, on verra bien de bien tout. Il y a des joueurs qui vont partir. Et enfin, comme Oscar, lui, le premier, c'est sûr, je le mets sur la liste de transfert. Et d'essayer d'avoir un autre joueur. En plus, on a Itaren, que franchement, il est très très bien. Bon, là, malheureusement, là, l'équipe là, elle est fatiguée. Du coup, on va prendre l'équipe là. J'aime bien, comme ça, au moins, tout le monde joue. Et là, on va jouer contre Angers. Ok, allez, c'est parti. Allez, bon, je fais pas de coupure, les gars, hein. Comment? Parce que je fais qu'un match. Aujourd'hui, c'est qu'un match.
Et après, on verra bien. On va pouvoir accélérer. Peut-être on fera le mois complet. Là, on est mardi. Je pense que la prochaine vidéo sur l'an, ça sera vendredi. Et entre les deux, je vais caler la CFA. La CFA, que je veux dire. Le CDF. Et puis après, on verra ça ensemble. Peut-être mercredi, jeudi, ou bien je sais pas, je vais décaler l'ancien le samedi, après je ferai le mercredi, je pense que ça serait même mercredi ou jeudi, et je verrai bien quoi sont dans l'espace commentaire. Avant dans l'espace commentaire, j'ai mis le lien de ma chaîne Twitch, parce que les lives, ça sera dessus. Et les jours de sortie de vidéos que je vais effacer, je vais tout remettre bien à plat. Ne t'inquiète pas. Allez, c'est parti. On laisse un petit peu la scène de se dérouler. Comme il n'y a qu'un match. Ah, huitième de finale, ok, ça marche. Les données sont assez simples pour ces deux équipes. Ces huitièmes de finale sont l'occasion pour elles de se lancer. Oh, il y a encore des bonnes équipes. Il y a Lyon qui est là. Il y a Marseille, il y a Paris. On va essayer de faire quelque chose. Allez, c'est parti! C'est parti ici avec le coup d'envoi de ce match donné à l'instant. Oh là, oh là. Angers, c'est une bonne équipe, hein, sincèrement. Traoré. Et Grady. Aussi les joueurs alignés du côté d'Angers aujourd'hui. Tiens, lui, je vais lui donner à lui. C'est un classique, hein, que l'on va retrouver dans cette formation. Dans ces films, allez, Cutus. Assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Jouer ça. Diallo. Tiens, Diallo. Traoré. Allez, pour Boli. Boli, non, Boli. Oh non, oh là 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 là. Comme même Boli, hein, je sais pas si la saison prochaine je vais garder. Déjà que j'arrive à le faire monter. 70, c'est bien, je sais même pas si elle est statue, je m'en rappelle plus. Là déjà ça va, là ça le recrute là déjà pour la saison prochaine. En espérant que. Parce que c'est un feuilleton Jean-Michel Aulas, c'est un feuilleton. Ah bah ils ont marqué. Il a fait une tête, il a lobé le Diallo et le gardien. C'est les cas. On va regarder. Le ralenti, parce que là, tout en parlant, je me suis fait avoir. J'étais pas concentré et c'est de ma faute. Alors lui, il passe sur le côté, il me fait un centre. Oh, c'est rien que les. Et puis Diallo, laisse tomber. Bon, enfin bref. Oui, Jean-Michel Aulas, c'est un feuilleton. Franchement, c'est un feuilleton. Après, on peut pas lui en vouloir qu'il essaye ou quoi et tout. Mais voilà, quoi. Moi, je suis désolé. Ton équipe, elle est 7ème, elle aurait dû fermer. Va dire à Marseille ou même à Rennes, et je dirais, bah voilà quoi. Au début, ils voulaient faire une saison blanche. Non, mais attends, ils l'ont mérité, c'est tout. Je parle pas que pour Lens, je suis content qu'on lance à l'en Ligue 1. Bon, peut-être dans un contexte un peu particulier, je suis d'accord. Mais voilà quoi. Mais c'est vraiment un feuilleton, Jean-Michel Aulas. Ah, c'est incroyable. Hein. Ah, il essaye, mais par tous ses moyens. Hein. Non, je pense qu'il écoute le Premier ministre Édouard Philippe. Vous savez qu'est-ce que j'en pense de ce gouvernement. Mais enfin bref. Voilà quoi, c'est tout. Il faut qu'il se maintienne. Tout le monde est comme ça, c'est tout. Mais je sais pas moi. Regarde, il veut reprendre le championnat pour confiner le championnat. D'accord? Je suis d'accord. Mais il y a des joueurs qui sont partis, il y a déjà des contrats qui sont signés pour les futurs recrues, tout ça et tout. Il n'y a pas qu'à Lens, hein. Oh! C'est pour ça, franchement. Bon, il a essayé, il a perdu. Bon, qui arrête, mais franchement, on n'arrête pas de l'entendre. Oh là, c'est par-ci, oh là, c'est par-là, oh là, c'est par-ci. Ça commence vraiment à être embêtant. C'est un feuilleton, franchement, c'est un feuilleton. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais c'est vraiment un feuilleton, là, ça. Mais enfin, bref. Allez, pars! Non, ça passe pas. Ah, quoique! Ah non, ça passe pas. Allez. Oula. Bon, Diallo, je crois que.
quelques mètres. Allez. Position là pour centrer. Heureusement qu'il a été. Oh mais non, pourquoi j'ai fait ça ? Oh bah elle sort. Oh c'est bon. On est clairement sur le chemin du but. Allez. Ouh. Contre Marseille, ça. Ça va être compliqué aussi, ça, hein. Jonathan Grady. Grady. Qui passe à Traoré. Ah, oui. Mitchell. Que c'est perdu. Allez, mais. Oh là 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 là. C'est, franchement, c'est dur, hein. Avec leur mise à jour, alors qu'ils ont fait, là, qu'ils ont durci un peu le lien, franchement, t'es obligé de toucher au slider, t'es obligé. Parce que sans quoi, bah, tu te fais, c'est plus le même qu'au début, hein, parce que là. Allez, tiens, j'aurais pas dû faire ça. Et je suis encore champion, hein. Et j'ai touché un peu au slider en plus, hein. Et non, franchement, c'est vraiment abusé, hein. J'ai bêché sa vitesse un petit peu. Mais là, franchement, on dirait pas, il est complètement. L'IA, il est complètement au-dessus. Hein. Incroyable. Ah, c'est incroyable, hein, franchement. On va bien voir la fin du match dans la mi-temps. On va voir ça ensemble. Ah ouais, pff, il est complètement au-dessus. Hein. Il est complètement au-dessus. Je vais vous montrer les sliders que j'ai fait. J'essaie de prendre. J'ai même essayé en ultime avec le slider de Maestro. Ouais, c'est. Franchement, j'ai eu du mal. Hein. Regardez, lui, je l'ai mis à 49. Là, ses erreurs de frappe, j'ai mis à 60. Et il arrive quand même à être au-dessus. Franchement, c'est incroyable. Franchement, je sais pas. On va peut-être baisser de ça de 1, même de 2. Là. On va voir ça ensemble. Mais franchement, c'est incroyable. Allez, on est reparti. Peut-être remettre en second, puis repartir en pro. Après, j'ai pas envie que c'est toujours moi qui gagne aussi, tu vois. Je veux l'équilibre, c'est vraiment embêtant. Si c'est. Il ne trouve pas le ballon, il le perd. Allez, Idara, bien joué, Idara. Allez. Allez, Mitchell qui va se faire avoir. Ah, je pensais qu'il. Il est grand le petit jeune là, ce que je vois là. Attention. Allez, vas-y, va dessus. Ah, oh, bien joué. Oh. Ah, bah ça, j'ai vu qu'il est mal dégagé. Voilà, c'est bon, il n'y a aucun danger pour l'instant. Bon, alors on va mettre un petit peu de. Ouais, je suis d'accord. On va mettre l'expérience et la qualité aussi. On va essayer de revenir au score. Mais ça va être compliqué parce que là. Je crois que. Changement a été demandé a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Ah. Il va y avoir un petit peu de changement dans l'équipe d'Angers. Ah, c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant qui va gagner un peu en temps. Ah, bien joué ça. Allez, Macho. Oh, mais non! Bien gradé. Alors qu'on arrive aux deux tirs. Cette ah, il l'a touché! Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Ah, ce serait pas mal, oui. Ouais, l'arbitre a su faire hors-jeu. Ça va, c'est bien. Ouais, petit hors-jeu. Après tout, ce n'est pas à eux de faire le jeu maintenant. Ah mais non. Oh je croyais que je l'aurais perdu mais non. C'est bien Macho. Oh non mais quoi. Oh là 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 là. Elle était pas assez vite. Allez. Oh là 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 là. Ça va être compliqué là parce que là c'est chaud. Je crois que tout le monde a vu les consignes de l'entraîneur sur le bord du terrain. Maintenant c'est tous derrière. Non, ils n'iront pas plus loin sur cette action. Tiens Macho. Mais non, oh je voulais centrer, il n'y a pas centré. Allez, dégage, très loin. Franchement, quoi penser de ce match? Pourtant, les sliders, je les ai un peu baissés, j'ai pas trop abusé non plus là-dessus.
Mais franchement, c'est compliqué, hein. Si t'as une solution, commentaire, il est là pour ça. Parce que là, franchement, c'est compliqué, hein. Rachid Alioui essaye de trouver la faille. Ce serait une touche, mais ça aurait pu... C'est compliqué, sincèrement, je vous assure que c'est compliqué. Mais non, je vais faire des changements. Alors, on va mettre qui? On en a mis déjà un. Putain, il est déjà là. Comment ça se fait, ça? Eh ben, dis donc. Bon, Diallo, je vais... On va mettre Rada. Et puis, je pense que c'est bon. Je peux en mettre deux. Je peux en mettre deux mille, quoi, sans... Malheureusement, que... Bon, on va faire jouer petit Jeanne du coup. Ouais, avec l'effectif là, c'est. C'est compliqué, on va dire. Allez, on va essayer de. Au moins d'égaliser, mais ça va être compliqué. Ah, mais non, mais. Ah, il y a 100% de réussite, je dirais même 200. Hein. Pas possible ça. Oh là 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 là. Incroyable, hein. Allez, c'est parti. Sotoka qui donne à Kutus. Allez, Macho. Ah, et puis il monte pas, putain. Excusez-moi. Allez, pour Robay. Mais... Ah bah, ça va être compliqué. Allez, Sotoka. Oh non! Oh non, 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 oh non, l'action! Le changement donc, il a fait un bon match, appliqué, sérieux. Pas beaucoup de. On va mettre en ultra offensif pour les dernières minutes, on va essayer. Ça passe pas. Tiens, allez! Oh non, l'action, c'est pas vrai! Ouais, bah c'est mort. Compliqué, hein. Pas beaucoup de temps additionnel, hein, seulement 2 minutes. Moi, je pense qu'avec des paramètres comme ça, tu joues contre Marseille, bah c'est tout, bah c'est fini, hein. La dernière minute avant le temps additionnel. Ah ouais. Voilà, défaite. Coupe de la Ligue terminée. Bon, enfin, tant pis. Oh, la feuille. Compliqué, hein. Ça peut devenir intéressant. Et je pense que je vais remettre les sliders tout à 50. Je vais repartir en pro. On va faire quelques matchs comme ça. Puis on verra bien ensemble. Hein. Parce que là, c'est pas possible. Mais j'ai pas envie de toujours gagner. Tu vois. C'est pas mon but, tu vois. Bon, alors là, 2-0 cadré. Pff, oh là 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 là. Précision de tir 0. Incroyable. Quoi penser de cette feuille? Franchement, incroyable. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bizarre quand même. Enfin bref, ce match est passé, c'est fini, terminé. Maintenant, place au championnat. Allez. Un petit entraînement ensemble, je pense, non? On va voir ça. Ok. Non, pas d'entraînement. On va avancer. Bon, j'espère que cette petite vidéo te fera plaisir. Si c'est ça, n'oublie pas de liker, de commenter, s'il te plaît. Commente, partage. Et nous, on se retrouve très bientôt. On est mardi, vendredi ou samedi. Tu verras bien quand on est dans les commentaires. Ma chaîne Twitch, tous mes réseaux sociaux aussi, Insta, tout ça. Portez-vous bien. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.